Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour notre seconde partie sur les quêtes du Quidditch. Je tiens à vous remercier pour l'engouement que vous avez fait preuve pour le premier épisode, c'était juste fantastique et merci énormément à tous. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir comment se passe notre épreuve de sélection. On est directement dans la grande salle et on se retrouve avec notre chère Penny. Bonne nouvelle Fluffy, je crois que j'ai trouvé comment tu pourrais être invitée à l'épreuve de sélection. Excellent, explique-moi. Le capitaine va passer en revue les meilleurs joueurs. Il n'invitera pas des novices, peu importe leur détermination. Donc si tu veux être invité à l'épreuve de sélection, il te faut un entraînement au Quidditch de première catégorie. Et la meilleure personne pour te fournir ce genre de formation, c'est Skye Parkin. Quoi? C'est ça ton plan? Skye est là-bas. Tu peux tout de suite aller lui demander si elle veut bien te coacher. Bah d'un côté c'est une bonne idée, d'un côté c'en est une mauvaise. Mais je vais être d'accord avec elle parce que c'est ma seule issue à ce problème. C'est une excellente idée, Penny. Je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre, alors autant que j'apprenne de la meilleure. Exactement. Et Skye est sans conteste la meilleure poursuiveuse de Poudlard. Peut-être même de tous les temps. Tu m'as dit que ta première impression de Skye avait été plutôt bonne. Je suis sûre qu'elle sera contente de te voir. Tu penses toujours que les gens sont contents de me voir, Penny? Parce que c'est vrai. Allez, va vite lui demander. Je crois que Skye est sur le point de partir. D'ailleurs, je tiens à dire que je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont en année 2 ou 3 et n'ont pas accès au Quidditch, parce que sur l'image que je vous ai fait passer la dernière fois, c'est bien marqué que c'est accessible en année 2. Je vais vérifier ça après, parce que je crois qu'il y a un petit endroit où on peut voir ça. Mais c'est assez bizarre quand même. Salut Skye, tu te souviens de moi? Je pense qu'elle ne t'a pas oublié. Fluffy, c'est ça? Je n'oublie jamais un visage que je sauve d'un cognard. Quoi de neuf? C'est à propos du poste de poursuiveur dans l'équipe de notre maison. Je vais essayer de passer l'épreuve de sélection. Génial! On se verra peut-être sur le terrain alors. C'est tout? Mince! Skye, attends! En fait, je voulais te demander si tu voulais bien m'aider à m'entraîner. À t'entraîner au Quidditch? Tu t'y connais déjà un peu? Eh bien... Hagrid! Fluffy! Penny m'a dit que t'étais allé voir ton premier match de Quidditch, alors ça t'a plu? Ce match amical était le tout premier match que tu voyais, Fluffy? Oh, j'ai l'impression que j'aurais pas dû dire ça. C'est pas grave, Hagrid. D'accord, je te laisse à tes occupations, alors. En fait, heureusement, il aurait pas dû être là. C'est vrai, Skye. Ce match amical était mon premier match de Quidditch. Tu n'as vu qu'un seul match et tu veux passer l'épreuve de sélection pour entrer dans l'équipe. Je sais que je débute au Quidditch, mais c'est uniquement parce que j'étais occupée avec les caves maudites avant. Oh, tu es Fluffy Life, la conjureuse de sorts? J'ai entendu parler de toi. Tu as fait des choses plutôt impressionnantes. Et j'apprends vite, tu verras. Mais je ne peux pas t'entraîner. Il y a de fortes chances que je ne sois bientôt plus moi-même dans l'équipe. Quoi? Pourquoi ça? À cause de mes mauvaises notes. Tout va dépendre de mon prochain examen de sortilège. Je dois me concentrer là-dessus. Je pourrais t'aider à réviser, bah oui, bah bien sûr. Et tu pourrais m'entraîner en échange, ça me paraît équitable comme marché. Équitable? Vraiment? Je suis un as du Quidditch. Qu'est-ce qui me dit que toi, tu es bonne en sortilège? Bah va demander au professeur Flitwick, non? Donc oui, en effet, juste là-dedans, il y a bien le Quidditch. Par contre, il n'y a pas marqué l'année dans laquelle on peut trouver les choses. En tout cas, il y a des saisons, ça c'est sûr et certain. Il y a des techniques à apprendre, mais par contre, il n'y a pas marqué l'année. Mince. Merci Skye, je crois vraiment qu'on va pouvoir s'aider mutuellement. Seulement cette fois par contre. Comment ça? J'ai juste besoin de réussir cet examen de sortilège. Alors il me faut juste un cours particulier. Ensuite, je te donnerai une leçon de Quidditch en échange. Est-ce que ça suffira, une seule leçon de Quidditch? C'est mieux que rien. Mais ensuite, ce sera à toi de te faire inviter à l'épreuve de sélection. Alors, quand est-ce que tu veux réviser? C'est bientôt ton examen de sortilège? Plutôt, ouais, c'est aujourd'hui. Ah! Skye, pas de temps à perdre alors! Je vais t'aider à réviser tout de suite! Génial, je connais l'endroit parfait pour ça, allons-y! Emmène-moi dans un nouveau lieu, s'il te plaît, un nouveau lieu qui a lieu dans le stade de Quidditch. Oh oui! Enfin non, c'est pas nouveau, c'est les gradins. Bon, j'aurais espéré mieux comme lieu, mais c'est déjà pas mal, on retourne à un ancien endroit, voilà. Tu révises toujours ici, Skye? C'est plus tranquille qu'à la bibliothèque. Je n'arrête pas de le dire à Pince. Ça doit rendre Pince complètement folle. Tu l'as dit. J'adore entendre la foule se déchaîner, mais j'aime autant que le stade quand le stade est tranquille comme ça. Ça m'étonnerait que beaucoup de sorciers ou de sorcières aiment passer leur temps dans les stades de Quidditch vide. Quand tu as un parking, tu as la chance de pouvoir aller quasiment partout où l'on joue au Quidditch. Alors, quand est-ce qu'on commence à réviser? Comment on s'y prend? Tu n'as jamais eu de cours particulier avant? Ça explique mes mauvaises notes, je suppose. Bon, tu as apporté ton manuel de sortilège, c'est déjà ça. Voyons voir la table des matières. Tu sais sur quoi porte ton examen? Oui, attends, je crois qu'il faut que je révise les leçons de la page 43. Et 44 et 45. Ah, et regarde la page 42 aussi. Skye, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends les pages dont j'ai besoin, enfin, si ça te va. Bah non, mais ça ne se fait pas.
Mais non, ça ne se fait pas d'arracher les pages du manuel comme ça. Juste les pages importantes. Je n'aurai pas besoin de la plupart de ces aineries pour l'examen. Alors tu révises toujours comme ça? Seulement quand j'utilise des livres. Tu trouves peut-être que ça ne se fait pas, mais c'est ton problème, pas le mien. Bah, t'es un peu en train de saccager les livres, mais c'est pas grave. Ma famille est toujours sur la route à cause du Quidditch. J'ai vite appris à voyager léger et à ne pas m'encombrer. Tout de même, quand tu révises ici, il suffirait d'un gros coup de vent pour que... Et voilà. Mes pages vite, attrape-les! Bon, au moins le principal, c'est qu'on a réussi à les retrouver. Enfin, à les rattraper plutôt. On a réussi, mais je veux mettre quelque chose sur ces pages avant qu'elles s'envolent à nouveau. Dis-moi, tu dois pratiquer d'autres sports, non? Comment ça? La vitesse à laquelle tu as jailli des gradins à l'instant, tu joues au football moldu? Sky, on a perdu assez de temps. Il faut qu'on révise les sorts pour ton examen maintenant. Et ta précision? C'est comme si tu avais d'instinct quel mouvement faire pour attraper ces pages. C'est sur une des pages, j'ai cru lire quelque chose sur le sortilège de désillusion. Est-ce que ce sera à ton examen? Tu fais de la plongée dans les tourbières, tu étais à peine essoufflé. Sky, concentre-toi! Tu as dit que tu devais réussir ton examen de sortilège pour rester dans l'équipe de Quidditch. Je relirai les pages sur le chemin de la salle de cours. Je l'ai déjà fait. Lire et marcher en même temps, ça m'a l'air... productif, pas vrai? Je vais rater le cours de Flitwick si je n'y vais pas maintenant. J'ai l'impression de ne pas t'avoir aidé à réviser du tout. Alors, ma leçon de Quidditch? Ah oui, ta leçon, retrouve-moi au vestiaire de Quidditch tout à l'heure. Et apporte ton balai. Oh, les vestiaires! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Alors j'imagine que c'est notre balai juste ici. Enfin, tu me diras, en fait, il y a plein de balais partout. J'ai réussi mon examen de sortilège avec une jolie mention passable! Félicitations, Sky! Alors c'est ici les vestiaires du Quidditch? Je te ferai bien visiter, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Où est ton balai? Tu es parti si vite que je n'ai pas eu le temps de te dire. Je n'ai pas de balai à moi, donc tu n'as pas de balai. Tu viens seulement de voir ton premier match de Quidditch. Et tu espères que notre capitaine voudra t'inviter à l'épreuve de sélection de poursuiveurs. Je n'espère rien, mais je suis prête à travailler dur pour le mériter. Si tu le dis, on peut aller en acheter un sinon, éventuellement, au chemin de traverse. Tu peux utiliser cette étoile filante. Bibi en a plusieurs en stock au cas où. Mais tout joueur de Quidditch digne de ce nom te dira qu'il te faut un meilleur balai que ça. Un imbus. comme un comète. Mon père ne jure que par ce modèle, mes frères aussi. Moi aussi j'ai un frère. Je me demande ce qu'il pensera en me voyant jouer au Quidditch. Dans ma famille, jouer au Quidditch n'est pas une option. Mais tu veux dire que sans Comet, je n'ai aucune chance d'intégrer l'équipe de Quidditch? Même maintenant, tu n'as aucune chance. J'en aurai peut-être déjà plus après ma leçon. On peut aller sur le terrain? Montre-moi d'abord comment tu montes sur un balai. Tu veux que je monte dessus ici? Oui, grimpe sur ce balai. Et si tu n'y arrives pas, la leçon est terminée. Bah quand même. On fait des cours de vol avec Madame Bibine là, et on fait des saltos, des machins et des trucs. Ah! Ça va, c'était pas non plus très glorieux, mais tu as réussi. Je veux dire, c'est pas trop tôt. Oui, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps. Alors c'est comme ça que tout le monde apprend à jouer au Quidditch? Est-ce que tu doutes de moi, conjureuse de sorts? Non, je te fais confiance, Sky. Je pourrais me passer de tes méthodes d'entraînement risquées, mais... Mais quoi? Je suis ton seul espoir, tout juste. Bon, reprenons cette leçon de Quidditch. La leçon est terminée. Mais j'ai fait ce que tu m'as demandé! Je suis montée sur ce balai ensorcelé, maintenant je veux ma leçon de Quidditch. Tu n'as qu'à venir me rejoindre sur le terrain de Quidditch à l'aube, conjureur de sorts. Que va-t-il se passer? Ce balai étoile filante, c'est le même que celui des vestiaires? Il n'est pas ensorcelé, promis. C'est tellement différent de voir le stade de Quidditch sous cet angle pour la première fois. Ma première fois sur un terrain, je portais encore des couches. Bon, je suis là à l'aube, mais je ne comprends pas bien pourquoi. Tu as eu tort de me faire confiance dans les vestiaires. Ce sale tour que je t'ai joué avec le balai ensorcelé... Quoi, tu me joues un tour? Je t'ai cru. Je pensais que c'était une épreuve bizarre de Quidditch. Je n'aurais jamais cru que tu y arriverais. Même moi, je n'aurais pas pu monter sur ce balai. Alors tu cherchais une excuse pour ne pas me donner de leçon avant même qu'on commence? Tout juste. Pourquoi? Parce que le cours que je t'ai donné s'est mal passé et tu t'es dit que tu ne me devais rien? Non, c'est ma famille. Les Parkins sont de célèbres joueurs de Poudlard depuis des générations. C'est aussi ce que m'a dit mon amie Penny. C'est une grande fan des Vagabonds de Wigton. Et mon père me met tellement la pression pour que notre équipe remporte la coupe de Quidditch. À chaque fois qu'on parle, c'est la coupe de Quidditch par-ci, la coupe de Quidditch par-là. Je ne pensais qu'à une chose après mon examen de sortilège. C'était de retourner m'entraîner le plus vite possible. Au lieu de perdre mon temps à te donner une leçon de Quidditch. Oh, j'ai pas envie de la défier. À chaque fois, faut défier les gens, non? Je comprends. J'ai été autant concentrée sur les caves maudites que toi sur le Quidditch. Mes raisons sont aussi personnelles pour moi. C'est mon frère. Et pour toi, c'est ton père. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon temps quand ce que je fais n'est pas lié aux caves maudites. On dirait que tu as besoin d'un peu de Quidditch dans ta vie.
En fait, je pensais que le Quidditch pourrait m'apprendre deux ou trois trucs et m'aiderait pour la prochaine cave maudite. Écoute, quand tu chassais mes feuilles dans les gradins, je me disais que c'était peut-être juste de la chance. Quoi donc? Ta vitesse, ton agilité, ta précision, ça aurait pu être juste un coup de bol. Mais quand tu as bondi sur ce balai sauvage, c'est là que je l'ai vu. Vu quoi, Skye? Ton talent brut, ce qu'il faut pour devenir une vraie star du Quidditch. Alors tu vas me donner un cours de Quidditch au final? Plus que ça. Comment ça? Ton objectif, c'est d'intégrer l'équipe de Quidditch. Mon objectif, c'est de gagner la coupe de Quidditch. Qu'est-ce qui pourrait mieux m'aider à atteindre mon but qu'une poursuiveuse douée comme toi à mes côtés? Tu vas me faire passer la sélection pour entrer dans l'équipe? Non, ça dépend encore de toi. Le capitaine et moi, on n'est pas vraiment les meilleurs amis du monde. Mais je vais t'entraîner du mieux que je peux, aussi vite que je peux. Parce que maintenant, c'est dans notre intérêt à tous les deux que tu intègres l'équipe. Alors avant, tu voulais que je me fasse éjecter d'un balai? Mais maintenant, la grande Skye Parkin veut faire de moi son petit projet de Quidditch. Elle y compte bien. Je veux dire, j'y compte bien. Je t'ai demandé de me rejoindre ici parce que le vrai travail commence maintenant. Littéralement maintenant. Ah! Carrément! Qu'est-ce qui se passe? Voilà quelques-uns de mes potes. Ils sont venus jouer. Moi, jouer au Quidditch maintenant? Mais je n'ai même pas eu de leçon. Ne t'en fais pas, tu vas apprendre vite. Je n'ai même pas de robe de Quidditch. On va s'occuper de ça aussi. C'est Bibine que je vois là-bas? Et c'est le commentateur de Quidditch dans la cabine? On fait ça tout le temps. Et maintenant, tu vas le faire avec nous. C'est parti! Oh, ça paraît si réel. Waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, ça veut dire qu'à l'avenir, je pourrais tout ça... Bon, c'est marqué en anglais, je ne comprends pas grand-chose. Waouh! Mais c'est génial! J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire tout ça. Ah, puis il y a même la petite musique qui va avec. Waouh! Par contre, je pense que je vais en avoir pour un moment à faire toutes ces quêtes avec vous, surtout si on en est à la saison 1. Enfin, je sais pas si la saison 2 est disponible. Je sais même pas jusqu'où va la saison 1. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup, beaucoup de quêtes à faire. Oh! C'est un magnifique jour pour un match de Quidditch amical. Nous avons 88,3% de chance. Bon, j'imagine que c'est Madame Bibine. Donc, Madame Bibine est sur le point de commencer le match. Les équipes ont hâte de commencer. Life a déjà le soif. Place au spectacle. Ce match devient intéressant. Ça me perturbe, le mélange de anglais-français. Life fonce vers les anneaux. Il va falloir attraper un grand coup. Waouh! Non! Non, je suis sur PC! Mais je peux pas! Ah d'accord, c'est comme ça! J'ai cru qu'il fallait... ok, j'avais pas compris ça. Ah, manœuvre ratée. Je pensais qu'il fallait appuyer sur les deux en même temps, et vu que je suis sur PC, c'est littéralement impossible en fait. Life tente un tir, mais le gardien veille au grain, quelle parade! Et je comprends rien aux explications en anglais. C'est euphorique ce match. Du coup, j'imagine que j'ai totalement raté. Life a subi plusieurs revers, mais le match prend une tournure intéressante. Un cognard cherche une cible. Elle se dirige droit vers Life. J'espère que Madame Pomme Fraîche est disponible. Alors, j'imagine que c'est ça et ça. Promis, j'essaye de faire de mon mieux. Ah, et ça doit faire mal. Quelqu'un a une potion de Wing and Veil en rab? Pourquoi? Life a le soif. L'équipe est déjà en difficulté. Le poursuiveur adverse approche. Life va devoir passer le soif par-dessus le poursuiveur adverse. Faites glisser le jeton sur chaque cercle lorsqu'il clignote en vert. Ah, mais oui, forcément! Voilà, super! Oh, c'est comme le truc de concentré! Je viens littéralement de bugger sur un truc qui était en fait easy. C'est n'importe quoi. Life vient de transmettre le soif à son équipe après une précision chirurgicale. Quel talent! C'est pas si simple que ça quand on y joue pour la première fois. Après un superbe match, Life et son équipe s'imposent. C'est dans ces moments-là que j'aime le Quidditch. Et c'est l'équipe Gryffondor, notamment grâce aux techniques réalisées par Fluffy Life, qu'on a gagné? What? Sérieux? C'était intense, comment j'étais, Skye? Disons juste que maintenant, je sais sur quoi tu dois travailler au niveau Quidditch. D'ici là, reviens quand tu veux sur le terrain pour jouer au Quidditch avec moi et mes potes. Tu vas voir, conjureuse de sort, ça va être extrême. La seule chose sur laquelle je dois travailler,
C'est ma compréhension au mini-jeu, c'est tout. Je n'avais pas compris comment est-ce qu'on jouait, je ne suis pas d'accord là-dessus. Chapitre 3, un entraînement intense. Eh bien écoutez, je propose qu'on se retrouve une prochaine fois pour cette troisième partie, parce qu'en plus je dois patienter un peu. N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout pour ce talent légendaire. Il faut avouer que je suis très douée au Quidditch. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'essaye de vous sortir cette quête. Une suite peut-être mercredi, voilà. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, je sais pas encore, mais peut-être mercredi. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.